découverte, musique, une parenthèse de bien-être, beau, hein. Parfait, touchant, on va dire génial, très bien, bah, magnifique. Bonjour, Sandra Nkake, musicienne, chanteuse, comédienne. Et... Didru, flûtiste, chanteur, magicien, mélomane. Attends, Mike. Parce que comment vous voulez qu'on fasse? On est allé dans 10 lieux et à chaque fois on a présenté des choses différentes. C'est-à-dire quelquefois on a donné plusieurs représentations dans le même lieu. Parce que le micro. Ah oui, oui, directement sur le micro. Ouais. Au départ de ce projet, on avait l'idée qu'on voyagerait dans les services à l'extérieur et que donc on pourrait aller vraiment à la communication des patients et des soignants. Pourquoi pas danser avec eux, faire des gestes. Et puis la situation a fait qu'on a imaginé finalement de leur raconter plus à distance. La plupart du temps, on était dehors. De partir d'une histoire qui était notre histoire, tout simplement celle de dire que bah, voilà, on avait passé un long moment confiné, qu'on avait préparé de la musique, qu'on allait la partager avec eux, en espérant que chacun, en fait, même enfermé, peut aller chercher en lui quelque chose à faire pour préparer une sortie. Chose que, en tout cas, ce qui concerne des patients, ben, j'espère se fera le plus tôt possible. En tout cas, ils sont là parce que l'idée, c'est quand même qu'ils repartent le plus vite possible. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci. Je m'étais posé plein de questions et j'avais vraiment envie d'arriver à la fois préparée dans le sens musical et en même temps totalement ouverte à ce qui pourrait arriver. Beaucoup de bienveillance, de l'écoute, un lien qui se crée avec toutes les personnes, en fait, c'est-à-dire avec les résidents, mais aussi avec les soignants, et de voir aussi comment leur rapport les uns aux autres change. C'est pas que entre nous et eux en tant que public, mais vraiment entre soignants et patients, de voir ce qui bouge. Et puis, c'est très émouvant, très, très intense, de constater physiquement la transformation d'un corps, la transformation d'un visage au son de la musique. C'est une expérience assez dingue. Très très bien, très très bien. Ça vous a plu ? Oui, 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 absolument. Si vous deviez le résumer en un mot. Original. Ouais, prenant, ouais. Ça vous a plu ? Ah ouais, ça change. Ouais, ça change. Bah oui, on y écoute, ça nous change un peu les idées. Bah, c'était très bien, moi ça m'a bien plu, hein. Ouais. Impeccable, hein. Rien à dire. Moi j'aime bien la musique en fait, hein. Alors ça m'a bien plu. Très beau. Ah, très beau, ça change des musiques autrement. Plus dedans, à l'écoute, parce que déjà c'est pas français, donc on essaye de découvrir un petit peu ce qu'ils disent, et quand ils expliquent entre deux, c'est super. Je m'appelle Kabbalah Romain, je viens souvent à l'activité musique du CATTP et aujourd'hui on va faire une représentation et on va vous jouer 6 titres. Ok. Il est directement relié dessus. Et il y a quelqu'un qui chante. Et voilà. Je m'appelle Ludovic Montrouet, voilà. Je suis au CATTP en tant que patient. Et puis je fais de la musique tous les mercredis. Comme mon ancien psychologue, elle a mis à disposition un clavier, ça fait que je peux jouer. Parce qu'à l'origine, je suis pianiste, chanteur, compositeur. Et je suis ici justement pour débloquer toutes ces angoisses, mon mal-être, pour faire de la scène par la suite, faire des concerts. Les fans des sons reggae, vous êtes le bienvenu. Ouais. Alors Jérémy, je suis infirmier. Au tout départ, c'était avec des petites percussions, découvrir les rythmes, les sons, le toucher, être en groupe, partager un peu de bonheur, un peu, voilà, un temps où ça leur permet de se libérer de certaines choses, certaines angoisses, des idées comme ça qu'ils peuvent avoir. Ah, on arrive.
Ah, ouais, bravo tout le monde. Ça c'est à vous.